Le sinistre a ravagé toute notre religion, quoi. Le sinistre, évidemment, ça a été quelque chose d'épouvantable. En mémoire d'homme, je ne pense pas qu'ils aient jamais vu une pareille chose dans le coin, du moins. Il y avait deux ou trois jours que l'on apercevait à l'horizon de la fumée. On savait déjà qu'il y avait un feu qui cramait nuit et jour et qui s'approchait peut-être, enfin, selon le vent ou la direction du vent, du moins. Je me rappelle fort bien, on était à peu près à 400 mètres de Beauparang. On était allé chez eux pour essayer de sauver leur maison d'habitation. Et puis d'un seul coup, on a vu des flammes jaillir de partout et on s'est dit il faut qu'on rentre parce que peut-être le feu va arriver avant nous à notre maison qui était à 400 mètres environ. On est parti à bicyclette. Et quand on est passé 200 mètres plus loin chez un autre voisin, il y avait déjà le feu à la gerbière, les granges étaient à feu, ainsi que la maison, on entendait des cris de partout, quoi. Enfin, ça a été quelque chose d'épouvantable. On ne savait plus quoi faire, ni où se mettre. Et puis, d'un seul coup, on a vu des flammes jaillir de partout. On était presque asphyxiés par la fumée, même qu'on soit dans un champ. On a dû se mettre dans un fossé, il n'y avait pas beaucoup d'eau, ou à peine. Mais la tête dans le fossé va longe dedans, quoi, pour pouvoir respirer. Le feu est arrivé également, mais non pas par terre, ni au sous-bois, comme on pourrait le prétendre, mais c'était des lames de feu qui sont arrivées à la pointe des arbres. Et alors, d'abord, ça a été les feuilles de chêne et les pins qui ont été brûlées, enflammées, et puis les pignes. Évidemment, dans les pins, il y a des pignes, elles tombaient en feu, comme des torches, et c'était que des feux partout, quoi, des petits foyers qui se sont allumés. Et puis quand tout ça se rassemblait, ça faisait des explosions extraordinaires, ça faisait jaillir les flammes
à 3 ou 400 mètres de là, et puis c'était pareil. Et c'est alors, sur ce jaillissement, les flammes montaient tellement haut que elles passaient par la pointe des arbres, elles allumaient en haut, et puis boum, ça retombait en bas comme un feu d'artifice. Si c'était quelque chose d'épouvantable, quand nous avons été dans le fossé, il y avait des voisins qui ont ouvert les vaches qui leur restaient à l'étable, ou alors il y a des animaux qui se sont échappés. Eh bien, l'instinct les a poussés dans nos champs, ma femme peut vous le dire. Elles sont venues à côté de nous, presque, elles nous ont senti, elles meuglaient, enfin, les chiens se sont approchés. Elles savaient déjà qu'on était là, elles ne voyaient peut-être pas tellement qu'il faisait. Il y avait de la fumée, mais elles savaient qu'elles se croyaient exécutées. On était contents d'ailleurs d'avoir quelques-uns d'autres aussi.